véritable. Vois la vie éternelle. Vois le Saint-Esprit. Que toute la terre craigne l'éternel. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. L'éternel renverse les projets des nations. Il anéantit les projets des peuples. Merci pour ce que tu feras encore aujourd'hui. Nous attendons toi, Seigneur, pour te dire merci. Ta gloire commence déjà à remplir cet auditoire. Nous savons que tu es toujours précédé par le feu. Car la colonne de feu est ton manteau. Tu ne dois pas être loin de ces lieux, Jésus. Parce que nous sentons ta présence. Souviens-toi de ce que toi tu nous as dit. De reconnaître ta présence et d'arriver où toi tu es. Cela fait renaître les espoirs. Te voilà, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es là pour bénir ton peuple. Que nul ne sorte d'ici avec sa maladie. Que nul ne sorte d'ici avec ses fardeaux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donnons des acclamations à Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Et vous savez que ma joie est plus grande que la vôtre. Parce que je vais avoir le privilège de voir sous un même toit. En tout cas pour moi. Les meilleurs pasteurs, quelques-uns des meilleurs pasteurs de cette planète. En tout cas pour moi, si ce n'est pas pour toi, toi qui me regardes sur Internet ou ici, pardonne-moi. Est-ce que vous êtes là? Pour certains, quelques-uns des meilleurs pasteurs, c'est peut-être des blessés. Ou je ne sais pas qui. Ungebos. Ils ont le droit, n'est-ce pas? Amen. Moi aussi j'ai le droit d'avoir mes meilleurs pasteurs. Amen. 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 Vous ne voyez pas que le Saint-Esprit est même prêt à les saluer. Bien, nous allons lire quelque chose ici, dans le livre de Psaume 16. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais juste lire ça, et pour lire aussi, alors Jésus vint. Amen, amen. Au paragraphe 3. Donc j'ai juste 7 ou 8 minutes pour ça. Comme vous le savez, je ne prêche pas, ni aujourd'hui, ni dimanche, ni... point, 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 point. Bon, je n'ai pas ajouté pour le reste. Voilà. Parce que c'est une énigme.
que le Seigneur lui-même va résoudre. Amen. Bien, on va lire ça. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu. Oh. Car je cherche en toi mon refuge. Oui. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Oui. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Qui? Les hommes sont l'objet de l'affection de qui? Non, de David. David aime les hommes pieux. Il y a des gens qui aiment les acteurs de cinéma. Ils aiment les saïs. Ça, c'est votre choix. Mais David, lui, il aimait les hommes pieux. Ils sont l'objet de toute son affection. La Bible dit, il y a un grand signe au temps de la fin. Les hommes seront ennemis des gens de bien. Pas les mauvais, ils vont aimer les mauvais. Mais les gens de bien. Amen. On avance. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mmh. Je ne répands pas leur libation de sang. Oui. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Non. L'Éternel est mon partage et mon calice. Oui. C'est toi qui m'assures mon lot. Yassolo. Un héritage délicieux m'est déchu. C'est la vérité. Une belle possession m'est accordée. Mmh. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. Oui. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est vrai. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Oui. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Oui. Mon esprit dans l'allégresse. Oui. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Non. Ni tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la correction. Non. Amen. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Voilà l'homme l'a interprété. Il dit, cette phrase signifie, je me propose constamment l'Éternel. Comment un homme ou une église ou un frère peut se proposer constamment l'Éternel? C'est en cherchant à aller dans sa présence. Nous aimons, nous nous consacrons, nous prions, nous faisons ça. Nous écoutons la parole. C'est parce que nous voulons la voir constamment sous nos yeux. Alors, bon, je vais prêcher sur ça peut-être si le Seigneur m'accorde. On peut ne pas lire, c'est pas grave. Frère Branham dit ceci. Ma présence ici. Alors Jésus 20, paragraphe 3. Ma présence ici, ce n'est pas temps de prier pour les malades ou d'imposer les mains. C'est d'amener ces gens, vous et moi, à reconnaître sa présence. Frère Branham dit, allez dans sa présence où il se trouve et la reconnaître. Cela pousse les hommes à avoir de nouveaux espoirs. C'est-à-dire, quand on te dit, il y a quelque part, Dieu se manifeste là-bas. Bien bon. Maintenant, si tu pars et que tu reconnais que c'est la présence de Dieu, Frère Madame dit, cela fait ressurgir de nouveaux espoirs. Donc, l'espoir était perdu. Donc on était découragé, mais quand on apprend que la présence de Dieu est quelque part, on y va, pas seulement y aller, mais surtout la reconnaître. C'est fini. Les nouveaux espoirs naissent. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Comme vous le savez,
Donc nous avons parmi nous le révérend pasteur Jonas Okoko qui peut avancer ici pour saluer l'église. Amen. 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 Il est là. Voilà. Oh, Joseph, tu n'avais pas prêté le micro. Oui, pasteur, le micro est là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Encore une fois, je suis dans la joie, mais je vais pas le dire. La loi où les espoirs sont perdus. Amen. Comme le pasteur vient de dire, dans la présence de Dieu, les espoirs sont perdus. Amen. Alors, nous sommes arrivés depuis lundi avec mon épouse. C'était un voyage un peu difficile. Je pense que vous l'avez appris. On a quitté la maison depuis le vendredi pour arriver ici le lundi. Donc, la vie a compliqué un peu. Mais Dieu nous a protégés et nous sommes là. Alors, nous disons merci. On est pendant peut-être un mois. Je sais que vous priez pour nous. Amen. Et je sais que tout va bien. Amen. Je sais que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Devant lui, les espoirs sont permis. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, nous avons notre service de consécration. Donc, nous sommes ici. Le pasteur Jacques Bonduya nous apporte la parole aujourd'hui. Et le dimanche. Amen. Ah, je ne vois pas beaucoup de bien-aimés. Je sais que d'autres viendront la nuit. Mais prions. Parce que je crois que le Seigneur a réservé quelque chose pour vous. J'allais dire quelque chose pour nous. Est-ce que vous le croyez? Il a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Personnellement. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter quelque chose. Et nous allons inviter les pasteurs, comme le temps passe vite, je ne sais pas s'il y avait un communiqué ou quelque chose. Nous le ferons après la réunion. Amen. Amen. Oui. On va chanter quelque chose. Rien ne manque. Sa présence est ici. Son serviteur est ici. Et je sais que le Seigneur a quelque chose pour nous. Amen. Thank you.
fils d'un même père. Je ne parle pas de notre Père céleste. Je parle de notre Père terrestrement spirituel. Donc, si vous le connaissez, je compte jusqu'à trois. Vous me dites son nom. Notre Père à tous les trois. 1, 2, 3. Donc vous, vous connaissez mes origines. Voyez, donc nous sommes les frères. Ce sont mes frères. Amen. Donc c'est vous que vous avez accueilli aujourd'hui. Alors le pasteur Jacques Onduya, nous le connaissons, bon, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup le connaissent ici, n'est-ce pas? Bon. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec maman Jacques Onduya. Je crois qu'elle est quelque part là. Ah, elle est là. Donc, il est arrivé hier, tard dans la nuit. Satan a essayé de compliquer son voyage de la même manière qu'il a compliqué le voyage du pasteur Jonas, mais il n'a pas réussi. Donc nous sommes allés, il était censé venir en Thalys ici, au Guillemets, à 19h46. Il m'a appelé et il avait raté son train. Pas pour. C'était pas sa faute, c'était la faute de la compagnie allemande. Et on a dû aller le chercher à Lindern, c'est ça? Oui, oui. Donc, il y avait le frère Basile, le frère Bavon et moi. Nous sommes allés le chercher là-bas. Et nous sommes passés par la Hollande. Et nous sommes arrivés tard dans la nuit. Et le Seigneur a agi, il est au milieu de nous. Amen. Donc, il y a ici quelqu'un qui est venu pour la première fois, non? Non. Ok. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est ici, en vacances, ici en Europe. Donc, il était à Paris, dans ma patate tabernacle, chez le pasteur Robert Nzutu, qui est aussi notre frère. Amen. Amen. Il est allé en Suisse, il était à Zurich, et il a prêché chez le pasteur Jean-Pierre, qui est aussi notre frère. Amen. Ah, nous sommes les enfants d'une grande fratrie. Amen. Et il est resté là-bas quelques jours, donc il est en Belgique, je crois, pour plus ou moins une dizaine de jours. Amen. Et ensuite, il va repartir sur Paris. Donc nous serons avec lui aujourd'hui et dimanche. Donc nous allons communier ensemble. Donnons des acclamations à Jésus pour cela. Bien. J'invite le pasteur Jacques Onduya qui est pasteur à l'Assemblée chrétienne de Manaka. Une grande église, et je crois que vous tous vous avez déjà vu, un très très grand serviteur de Dieu qui ont accompli des grands miracles par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je dis des grands miracles parce que c'est un peu comme le pasteur Jonas aussi. Ils ont commencé des églises qui n'ont pas encore, je ne sais pas, qui n'ont pas encore trop duré, mais qui ont grandi de manière surnaturelle. Amen. Bon, à l'ingala, on dit sur le tableau de Moïbi, il faut comment Moïbi. Moi, j'aimerais les accompagner pour qu'ils me donnent cette option-là d'agrandir l'église de manière surnaturelle. Viens, pasteur, la chair est à toi. Et Dieu te bénisse, pasteur. Vous avez fait une photo? Pas de photo. Mais une photo, mais c'est un peu comme David.
Bon, il n'y a pas de Goliath ici. David est David. Ok. Moi, je l'aime beaucoup. Merci à l'Ubapo d'aller à l'église.
Je l'ai déjà dit dans mon église. Et je leur avais dit. Vous les verrez ici un jour. Je vous suis sur Facebook. Vous êtes toujours moto, moto. Vous êtes toujours à peu, à peu. Coca-moi. C'est dommage. L'église à porte à l'onction à vous. Une église en Europe qui soit en pleine onction comme ça. Et là, quand vous avez un pasteur et un madame. Parce que vous avez un bon pasteur. L'église en Europe qui. Mon église m'a mandaté de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas célibataire. Je suis marié. Je suis un homme qui ne compte pas. Moi, cette femme est venue avec moi ici. Si elle veut se lever. La voilà. Mon ami, son nom Pascaline. Mamie Pascaline. Bonouya. Bonouya. Na Kinshasa. La Kinshasa. Même en Bandaka. Ou en Bandaka. So oli ki ba ye ba ye ba moko. Adana kongo a ye ba nina. Ba benga kaye mama bo. La Bandaka Kinshasa. Elle est reconnue par le nom de mama bo. Mama Bonouya, mais Bakata Kamo. Cela veut dire que Mama Bonouya, mais on a fait court seulement Mama Bo. Mama Bo. Si vous dites simplement Mama Bo, Dieu nous a donné des enfants. Voilà, 8 ans. 5 enfants. La grâce. La grâce. Mi Bali Misato. 3 garçons. Et Basi. Mi Bali. Et 2 jeunes filles. Et le Bosso Moisi. L'aînée, c'est une fille. Elle est au Brésil. Le deuxième, c'est des jumeaux. Le premier, c'est Ruth. Après, Gédéon, jumeaux. Gédéon aux États-Unis. Gédéon est aux États-Unis. Esther, Azana, Kinshasa. Esther, elle est à Kinshasa. Après, Metouchela. Et Zosabé. La révérend Barouti Kassongo. Et nous avons, c'est pas les derniers, c'est pas la Barouti Kassongo. L'année prochaine, Dieu voulant, nous serons avec ici l'année prochaine. Amen. Il a la même corpulence que le pasteur Barouti Kassongo. Bon. Invité, n'a c'est pas le commun pasteur Jonas. Je suis très ravi de voir le pasteur. Pasteur de Kinshasa. Mon pasteur de Kinshasa. Pasteur international. Pasteur. Ma chérie Naï. Avec sa chère épouse. Hier, a sorti sorti. Lui, il est un mouchard dans ce sens-là. La commune à Paris. Il arrive à Paris, il a comploté avec le pasteur. Qui a la même prédication là. Il a une prédication. Qu'il prêche là. Pasteur Robert ne connaît pas. Il arrive ici, il commence encore à comploter. Bon. Mais alors, vas-y, prédication, voilà, d'un côté, à mon dimanche. J'avais dit que ma prédication, je la prêche le dimanche. Et comment vous l'avez dit? Ça va beaucoup te venir. Les gens n'avaient pas quitté le colline. Aujourd'hui, je ne savais pas de quoi je vais prêcher. Normalement, on a un côté à l'autre. Je ne pouvais pas prêcher aujourd'hui. Parce que le voyage est au salon de l'église. Vraiment très fatigant. Le voyage était très fatigant. Mais, pasteur Nangai Franck, moi, dans l'oubli, dans l'oubli.
Bon, mon pasteur Franck Moine a dit que je prêche aujourd'hui. Je me suis incliné et j'ai dit à vos ordres, mon pasteur. Et je ne sais pas de quoi je veux parler, de quoi je veux prêcher. Ah voilà, les gars. Nathalie, oui. Moi, je suis un peu plus de avant que je ne vienne, je t'ai remis quelque chose est venu à moi et j'ai commencé à lire la Bible. On est Marc Pella. J'ai vu Marc Pella. Amen. Aujourd'hui, je parlerai sur Marc Pella. Je veux prêcher. Je n'ai jamais prêché. Je vais commencer à prêcher ici. Il y a quelques minutes. Ça m'est arrivé il y a quelques instants, quelques minutes. Devons-nous ouvrir la parole de Dieu. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. On va lire le premier verset. Au verset premier. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener des Sarah et pour la pleurer. Abraham se levant de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession de ce sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui des noms sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer son mort, ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que j'ai l'autre de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tchoshar, de me céder la caverne de Makpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, les Héthiens, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville, des sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne les champs et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, en terre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 40, de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. En présence des fils de Heth. 400 cycles d'argent. Et Yakour chez le marchand. Amen. Les chefs de front en Makpéla vis-à-vis de Mamré, les champs et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Makpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans les pays de Canaan. Amen.
Les gens et la taverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, sépulcrale acquise des fils de Heth. Ce qui passait à quoi qu'on priait sur le groupe Saint-Micro, le pasteur Franck, je voudrais qu'il prie. Bienveillant Père Céleste, amen. Mon cœur est dans la joie. Amen. Tu sais combien j'aime l'Ancien Testament. Amen. Tu nous as dit que tout cela pointe vers le calvaire. Amen. Je sais, Père bien-aimé, amen, que des richesses insondables, amen, amen, qui ramèneront notre foi en toi, notre Sauveur, sortiront de ses paroles. Alors qu'il ouvrira sa bouche, sors-nous tous les mystères cachés dans Macpéla. Cette possession sépulcrale qui est à Hébron. Nous voulons t'entendre parler, Jésus. Et garde-les de chemin. Et parle-nous clairement, Seigneur. Et qu'on sorte des étreignants. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Et que chacun de nos pas se rapproche de toi, Jésus-Christ. Moi-les, Seigneur. Moi, mon pasteur du Saint-Esprit encore. Car il est écrit, à celui qui a, on donnera encore l'onction. Moi aussi, je serai acheté. Que tout l'auditoire porte sa jaquette d'onction. Et que l'écriture soit claire pour nous. Merci Père. Satan sort d'ici. C'est le temps du soir. Que Jésus se lève pour donner la clé du mystère à l'époux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Faisons comme la lecture. Genèse 49. Nous venons de lire dans Genèse. Donc nous allons continuer dans Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49. Verset 29 à 33. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, les Héthiens. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Sur le champ qu'Abraham a acheté des fronts, les Héthiens, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, Dieu a enterré Léa. Amen. Les champs et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Amen. Lorsque Jacob y achevait de donner ses ordres à ses fils, il y retira ses pieds dans les lits, il les fuira. Amen. Et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Genèse chapitre 50, verset 24 à 25. Mais vous pouvez retourner le chapitre entier. Vous pouvez lire le chapitre à la maison. Genèse 50. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Amen. Et vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourit âgé de 110 ans au lambeau. Et on les mit dans un cercueil en Égypte.
Exode. Chapitre 13. Verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Amen. Alors tout à l'heure, nous allons s'amuser. Nous venons de lire la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, Genèse, tout le monde est Abraham. Nous venons de lire dans Genèse, nous avons vu Abraham. Oui, Zali. Papa n'a mis ça dans la foi. Celui qui est notre père dans la foi. Abraham, nous avons appelé à qui? Dieu appela Abraham. Alors, il t'a voulu dans la bataille. Il a dit, c'est par toi de ta famille. C'est par toi de tes frères et sœurs. Laisse ton pays. Va dans un endroit où je te montrerai pour me servir. Dieu connaissait Abraham. Puis il aimait Abraham. Il voulait bénir Abraham. Il ne voulait pas dans sa maison, dans la maison de son père. Dans ses coutumes. Et puis ça se passe comme ça. De même que Dieu même. Et son esprit. Abraham avait crié à Dieu. Puis il est sorti de la famille. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait qui est-ce qu'il avait, qui l'a appelé. Et Abraham a fait comme on est le plus. Abraham pouvait voir que c'était une folie. Mais ce n'est pas la folie. Tout homme qui croit à la famille. Il commençait à partir. Frère Branham a dit, comme Dieu a appelé Abraham, c'est comme ça qu'il a appelé un chrétien aujourd'hui. Dieu ne peut pas te bénir. Si tu restes dans le péché, dans lequel tu es. Reçois la grâce. Alléluia. Même les comportements. Et c'est l'eau. Tu pouvais les abandonner. Mais tu es l'enfant de Dieu. Même si tu es un chrétien.
chrétien, un chrétien partout. Chrétien, il n'y a pas de Dieu. Jésus n'y a qu'un seul. Le même Saint-Esprit. C'est qu'il a de nos Européens. C'est le même qu'il a de nos Africains. C'est le même qu'il a de nos Africains. Amen. Amen. Quand je vois, je vois, je ne vois pas des Européens. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont envie de Rome. Pas moi. Je suis fier d'être Congolais. D'être Congolais. D'être Africain. Richesse. Amen. Quand Abraham s'est séparé, il est allé à Cana, il est arrivé. À Cana, Dieu l'a dit. Il est sorti avec son père. Il est sorti avec son neveu. Et pourtant, Dieu lui avait dit de se séparer. Il fallait qu'il écoute Dieu. Mais il a écouté Dieu. Il a laissé son pays. Il commence à partir. Mais frère Branham a Dieu, frère Branham dit, il n'était pas encore arrivé à l'obéissance totale. Abraham n'a pas compris. Tu es mon neveu. Pourquoi on ne peut pas se disputer comme ça? Il y a d'autres problèmes que je ne vois pas dans les problèmes. Je dis que toutes choses qu'on vous obtient de ce c'est Dieu qui a voulu que ce soit il y a d'autres situations qui arrivent. Abraham a dit, si tu vas à l'Orient, moi j'irai à l'Orient. Tu vas à l'Est, moi j'irai à l'Ouest. L'autre a vu qu'il a vu la ville. Il y avait des lumières. Il dit, oh, voilà les lieux où j'irai. Je n'irai pas dans la brousse. Je n'irai pas au village. Il faut que j'aille dans une ville. Je ne savais pas que. Je ne savais pas que beaucoup d'avions dans la brousse. Amen.
Amen. Amen. Abraham a regardé le pays. Mais ma foi, il y a beaucoup à Canané. Les habitants de ces pays, les Haïtiens, les Éviens, les Jébusiens, les Amalécites, les grands idolâtres, les homosexuels. Comme le monde aujourd'hui. Que ce pays sera protégé. Mais j'attends. Péché des Amoréens. Et comme il a noté, le péché des Amoréens. N'est pas encore arrivé à son comble. Le Seigneur y est tout là. Ne les a pas d'autres. C'est là que Dieu observe. Ce monde est en train d'attendre. Ce monde arrivera à son comble. Que le péché arrive à son comble. Les choses que nous voyons aujourd'hui. Même dans Sodome, les sodomites ne pouvaient pas se marier avec un animal. Mais aujourd'hui, c'est la zoophilie. Les hommes se marient avec des animaux. Jésus. Aujourd'hui, les hommes arrivent. Comme c'était au Sodome. Mais dans Sodome, moi, c'est dans 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 moi, aujourd'hui, femme et femme se marient entre elles. Et mon frère, c'est pour cela que si Dieu détruit mon loyauté, à détruire l'Amérique, si Dieu ne détruit pas ce monde ni les États-Unis, on attend où est or, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de péché comme aujourd'hui. Si Dieu ne détruit pas pour les États-Unis, il est obligé d'aller ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Pardonnez-moi. Parce que je vous ai tué, je vous ai brûlé. Alors que les lots, alors qu'aujourd'hui, vos frères dans le monde, il faut le même péché. Mais moi, je les laisse. Vous restez dans ma conscience, pardon. Croyez-vous que Dieu peut demander pardon? Il y a un mot qui va dans la porte. Vous êtes dans la porte, dans la maillée. Vous êtes dans la porte, dans la maillée. Faites attention, soyez vigilants. Que la lumière de l'Europe ne te trompe pas. Que la facilité des choses ne te trompe pas. Que la nourriture ne te trompe pas. Peu de temps, le feu descendra. La trompette sonnera. Amen. Abraham, Abraham était là avec Sarah. Dieu les a visités sous l'arbre de Mamré. Dieu avait donné la promesse, mais cette promesse avait tardé, mais Dieu était descendu pour leur montrer qu'il était venu pour accomplir la promesse. Si Dieu promet ce qu'il a promis, même si le temps passe, le temps, c'est Dieu n'a aucun obstacle.
Oh, parce que ça t'arrive. Moi, je vois. Je ne mettrai plus. Oh, déjà. Je n'accoucherai plus. Oh, déjà. Oh, je suis dans la ménopause. Mais Sarah était déjà dans la ménopause. Le même Dieu là. Ton problème. Il y a des solutions. Il avait patienté pendant 25 ans. Isaac n'était pas né. Je te pose la question. Isaac n'était pas né. Mais toi,
La circoncision, c'est quoi? Sans être coupé. Un lieu où on pouvait déposer le corps de Sarah, son épouse. Il dit cet étranger qui est parmi nous. L'enfant d'un chef qui est parmi nous. Bénédiction.
Tout ce que Dieu a sacrifié sa vie, amen. Même la mort, c'est pour toi. On leur donnait des corvées. Ça va tenir.
Il serait bien. Oh, leur famille, personne ne meurt. Oh, dans leur famille, personne ne meurt. De quelle famille tu parles? Peut-être que tu parles d'une famille qui va tomber. Dis-le que moi je suis plus mon corps. Que le Jésus vous louva. Que le Jésus vous louva. Personne ne doit te le ramener.
Et quand Jésus était là, il disait que si tu es prochain devant moi, je te donnerai du sang. Non. Satan qui avait détenu la clé de ce jour de mort. Si tu m'aimes, tu es un prophète, tu ne mourras pas aussi.
Samuel, comment ça on a fait nos consulter? Pour nous calmer, vous avez répondu. Nous avons vision, zéro. Si tu veux que tu marches avec toi, c'est simple. Quand il s'est éloigné, il m'a dit Fut enterré là-bas et tous les saints
Vous connaissez Égypte. Joseph en Égypte. L'histoire, vous connaissez Joseph. Si je touche Joseph, il y aura des choses. Comme je suis ici, je suis capable de vous prêcher jusqu'à 8 heures du matin. Vous connaissez l'histoire d'Israël quand il est allé en Égypte? Israël a dit, on avait vendu Joseph, parce qu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Israël a dit, il faut qu'il m'oublie. Ça fait une alerte dans tout le monde. Si je rentre comme ça, on passera la nuit ici. Joseph s'est fait montrer. Ils l'ont reconnu. Et il commençait à pleurer. Joseph, qu'on avait rejeté. Nous, je pouvais le rejeter d'abord. Mais il devient roi. Et même que les Juifs, ils pleureront pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs, Messie n'a pas été dans leur Messie n'est pas encore arrivé. J'ai rencontré le pasteur au Congo central. Il est allé à Pélerinage. Il a donné la parole. Il est allé faire un pèlerinage. Quand il est venu de là, il dit non vraiment. Jésus, que nous, on le prêche. Nous le prêchons. Il n'est ni africain. Pourquoi je suis arrivé à Israël? Les frères de Jésus. Ils ne prient pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne les croient pas qu'il est déjà. Lui qui est déjà. Mais nous, nous prions, nous croyons. Même ses frères à lui. Tu vas parler comme un perroquet. Il fallait que eux soient avec lui. Comme Paul a dit à Romain. Pour que nous, les nations, nous puissions. Quand nous irons à l'avènement, c'est maintenant que Jésus se montrera à leur frère. Et on lui posera des questions. Mais c'est vous-même qui m'avez torturé. Ils vont pleurer. Oui. Ils seront regroupés. Ils vont pleurer. Et après, après il dira que Dieu a voulu pour que les âmes, les âmes, pour que
des familles là. Quand Israël est allé en Égypte, moi c'est Joseph qui est allé en Égypte. La femme de Joseph est Amen. Quand Israël est allé en Égypte, c'était avec Jacob. Leur père, Jacob, Jacob est mort. Ne m'attire pas ici. Amenez-moi à Makpela. Et on l'a amené. On l'a amené. De l'Égypte. De l'Égypte. Jusqu'à Canaan. À ce moment-là, le Canaan n'était pas encore accordé. Abraham était comme un étranger. Jacob étranger. Jacques étranger. Mais ma mère mon corps. Mais sur Abraham le lieu. Le lieu où Abraham avait acheté. Ma mère qui Jacob n'a pas compris. On a pris Jacob, on l'a enterré là-bas. Joseph est allé à Koufa. Joseph, avant de mourir, il dit, je vais mourir. Bon là-bas. Juré. Que mon côté, comme, vous ne laisserez pas mes yeux ici. Quand Dieu vous dit ça, il va accomplir sa promesse. Amenez mes yeux sur ma terre. Enterrez-le là. Ici, comme on a dit Abraham. Là où on a entré là où on a entré tous les saints. Quand Israël est sorti, Moïse est parti. À quel quoi? Il est parti chercher les autres, des autres de Joseph. Il est sorti et commençait à parler. Et ils sont allés enterrer là juste. Pourquoi ils sont allés enterrer là-bas? Parce que la promesse. Le Messie. Le Messie. Oh, la Bible, je vais vous dire Shilo. Le Seigneur est là. Il fallait que Shilo arrive. À ce moment-là, que son sang soit versé. Matilaya Racha. Le sang du rachat. Oui, Abraham a fait un peu de que Abraham avait fait, c'était quel type? Le type du rachat. Parce que la résurrection, il aurait été ici comme sous-titres. Parce que la résurrection n'était pas un autre endroit. Les Arachiwans. C'était seulement cet endroit-là. Mais on voit l'Israël à terre pour Philippi. C'est pour cela que tu vois. On ne l'enterre pas ailleurs. Mon frère, ma soeur. Ma soeur, mon frère. On ne l'enterre pas. Dans le vite. Le départ. Oh, si on les a fait. Mon frère, mon frère, mon frère, mon Congo. Condamner ici. Condamner au Congo. Ce n'est pas ça. On a en tête déjà des petits bouts. Des petits bouts comme ça. Des petits bouts là, ça c'est une personne, ça c'est une autre. Je vois une famille riche. Ils ont acheté ils ont fait comme si c'était une antenne parabolique. Et c'est là qu'on a attiré cette famille. Et j'ai trouvé aussi une femme, une vieille femme. Regarde mon mari, on l'avait enterré ici. Je regarde là où on a enterré son mari. Son ami était à côté. La femme de son ami. Il dit, si moi je mourais,
intervalle à 20 ans. Intervalle à 20 ans. On peut manger. 20 ans après. 20 ans après. On pouvait aller. Comme c'était l'église déjà 20 ans. Comme c'était passé 20 ans. Depuis que mon mari est mort. Si je meurs, on m'appellera plus. On m'enterrera une autre endroit. On m'a montré là où il y a l'incinérateur. Je suis rentré. Moi, c'est beaucoup à lui. J'ai vu une dame. Tout le monde est là-bas. Il y a un corps là-bas. Voilà la manipulation. Ça, c'est pas manipulation. Maintenant que je me pousse, je vais être court. Bakounayo, et si comme ça. Qu'on est en terre de nulle part. Bakounayo, Katina Yesu. On t'appelle à Jésus-Christ. Il dit quoi, là, Katina Yesu. La Bible dit dans les Thessaloniciens. À partir du verset 13. Mon Christ a couffé quand il a l'air. Un chrétien ne meurt pas, il dort. Alala, quand il a dit à Yesu. Il dort dans Jésus-Christ. Il y a un moment où d'ailleurs il va s'acheter. Même celui qui me suit sur internet. Parce que la Bible dit que le jour où Jésus viendra, dès qu'il meurt à Jésus-Christ, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! Les morts à Christ. Lazare est mort le jour. Il était enterré. Quatrième jour. Quatrième jour. Donc Lazare a été ami de Jésus. Ami à Jésus. Lazare était ami de Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. L'ami fidèle. C'est ça qui est pour le Canada. Jésus est allé chercher Lazare. Il y avait beaucoup de corps dans ce cimetière-là. Jésus n'a pas appelé tout le monde. Alléluia. Il a appelé son ami. Jésus a appelé son ami. Nous avons le septième an de l'église. Et donc le septième. Et donc, depuis Adam. Depuis Adam. Il y a Sang à l'Ali, il y a Philadelphie à l'Ali. Une partie épouse de l'Odyssée. Une partie de l'épouse de l'Odyssée. À l'Ali. Mais ils ont sauté. Mais tout le monde ne dormira pas. Parce que nous avons le septième ami. Il a dit, ah, après cet âge, il n'y a pas de huitième âge. Il n'y a pas de huitième âge. C'est le dernier âge. C'est le dernier âge. Et l'enlèvement, c'est grâce à toi. Et le regard de Dieu vivant dans l'enlèvement. Oui, Seigneur. Peut-être moi. Peut-être moi. Peut-être pas toi. 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 Si toi tu peux te le présenter,
Après avoir fait ce travail, il est parti. Il est allé au séjour de mort. Jésus est allé prêcher aux âmes. Les incrédules, ceux qui ne voulaient pas écouter Noé, il dit : regarde cette personne qui est Noé à prêcher, il est là. C'était pas pour la croix. Après être allé au paradis, là il a trouvé tous les Abraham. Abraham l'a vu. Allez,
Thank you.
quitter le corps. Toute maladie qui essaiera de résister seront maudites. Toute malédiction qui osera résister retournera à l'expéditeur. Les chants des Magpéla, c'est la possession sépulcrale de la lignée royale. Si le Seigneur revient, il trouvera ce qui reste de moi dans ce message. En Christ, merci pour cette grande bénédiction, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Thank you.
Tendre Père Céleste, notre Dieu, tu es souverain, parce que tu es la vie et la résurrection. Tu auras démontré certainement, Seigneur, comme l'a dit le prophète, nous célébrons la Pâque, qui est la signe de la résurrection, Seigneur. Et nous, aujourd'hui, Seigneur, nous savons les évidences de cette résurrection, car le Saint-Esprit nous a été donné pour nous libérer, Seigneur, de nos coutumes, libérer de la mondanité, libérer, Seigneur, de tous les mœurs et de cette société perverse. Car le monde arrive à son terme, Seigneur. Tu nous as révélé au temps de la fin, Seigneur, qu'il y aura des abominations, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et cela s'accomplit aujourd'hui. Nous devons simplement rester sur mon garde et écouter ce que dit, Seigneur, la parole de Dieu. Ce que nous révèle le Saint-Esprit. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a apporté la parole. Souviens-toi, Seigneur, de là où il a donné, là où il a donné, Seigneur, comme dit la parole, qu'il soit arrosé, celui qui l'arrose. Seigneur, bénis encore sa chère épouse, ses enfants. Bénis encore, Seigneur, son Église. Jésus, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Certainement, aujourd'hui, c'était notre jour. Tu nous as donné une portion que nous gardons, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Et pour que ton œuvre puisse aller de l'avant, souviens-toi de ceux qui ont donné quelque chose. Et notre chemin de retour, Seigneur, nous les confions entre les mains de l'ange de l'Éternel. Seigneur, qu'il nous conduise et que nous puissions arriver à bon port. Nous remettons notre programme de cette semaine, la consécration, ainsi que notre réunion de dimanche entre tes mains. Dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.